au moment de déterminer l'intensité et la position du système de force suivant, donc l'intensité et la position du système de force suivant, sachant qu'on a quatre forces. Bon, le système est composé de quatre forces qui sont appliquées à une poutre droite, de section droite, une poutre de section droite que j'ai mis en jaune. Bon, supposons que ces forces agissent sur une poutre de section droite. Et on a F1 qui vaut 3 N, F2 qui vaut en module 2 N, F3 qui vaut 4 N en module, F4 qui vaut 4 N en module. Alors, je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas à l'échelle. Ce n'est pas à l'échelle. Hein. Donc, F1 est séparé de F2 de 2 mètres, F2 est séparé de F3 de 2 mètres, et F3 est séparé de F4 de 2 mètres. Et les points d'application sont les suivants, c'est tel qu'indiqué sur voilà, le schéma. Sachez qu'on n'a pas un système de force parallèle. Pourquoi? Parce que toutes les forces ne sont pas parallèles, tout simplement. Et dès le moment où il y a une force qui n'est pas parallèle, on n'a pas un système de force parallèle. Alors qu'est-ce qui vient casser, je veux dire, voilà, la structure de force parallèle? C'est F1 et F4 qui ne sont pas parallèles. Aucun des deux ne sont parallèles. Et d'ailleurs, F1 fait un angle par rapport à la poutre de 60 degrés. F4 fait un angle de 45 degrés par rapport à la poutre. Sachant qu'ils n'ont pas les mêmes modules aussi, puisqu'il y en a un qui fait 3000 et l'autre qui fait 4000. Alors, si on avait un système de force parallèle, tout devient simple. Hein. Si vous avez deux vecteurs qui sont, par exemple, s'ils sont comme ceci, voilà, F1 et F2, voilà, rien de tel que de faire la somme. On a F1 plus F2, mais ce sera, si je mets un repère OY, on aura moins F1 moins F2, parce qu'ils sont dans le sens contraire de l'axe OY. Si je mets l'axe Y comme ceci, ce sera F1 plus F2. Voilà, ça, c'est la résultante de deux forces. La résultante des forces. Alors sachez qu'ici, on n'a pas forcément une équilibre de translation, puisque la résultante n'est pas forcément nulle ici. Hein. Voilà, elle n'est pas forcément nulle. Donc, en force parallèle, tout devient facile parce que on n'a qu'un seul axe et tout se projette sur ce même axe. C'est ça. Maintenant, ici, on a des forces obliques, donc il faut prendre en compte la composante en X et la composante en Y. Ce qui veut dire qu'il faut d'office mettre un axe, un repère O, X, Y, avec les vecteurs de base, I et J. Alors, rechercher l'intensité, c'est l'intensité du système de force. Mais ce système de force que j'appelle système, ici, représenté par quatre forces, mais ce système résulte à ce qu'on appelle une résultante de force qui est R, qui regroupe toutes les forces. Alors pour trouver la résultante, ben ici, comme il y a deux axes x, y, il faut décomposer en x et en y. Chose que je vais faire tout de suite. Donc la résultante, l'intensité de la résultante vaudra la somme des forces. Et comme il n'y a que quatre forces, mais c'est la somme des forces des Fi pour i égale à 1 jusqu'à n égale 4. Ça veut dire que vous aurez F1 plus F2 plus F3 plus F4. Dans ce cas-ci, j'ai dit que je prenais l'axe X en vertical, de haut vers le bas, du bas vers le haut, je m'excuse, du bas vers le haut. Donc, je vous rappelle qu'ici, on aura F4 de X qui sera positif, F4 de Y qui sera positif, F1 de Y qui sera négatif et F1 de X sera négatif. Voilà, ça, c'est pour le topo. F2 et F3, bon, on seront tous les deux. La projection en X vaudra 0 parce que ça va donner un point. Projection sur X de F2 va donner un point, la projection sur x de F3 va donner un point, ce qui veut 0. Donc ces deux-là, c'est très très simple. Donc la projection sur OX, ben, on aura deux vecteurs, qui est la projection sur x va donner donc F1x moins F1x parce qu'il est négatif, plus que F4 de x. Or F1x, le module, c'est de F1, c'est 3000, et de F4, c'est 4000. C'est 3 et 4000.
Donc, on aura sur x 3000 et 4000, l'un avec un cosinus de 45 degrés, l'autre avec un cosinus de 60. Il y en a un qui est négatif, c'est f1 de x, et l'autre, il est positif. Voilà. Et là, j'ai la composante en x de la résultante. Mille cosinus de 45 moins, je suis trompé, 3000 cosinus 60, 1328,42 75. Je vais mettre à deux décimales 1328,43, 1328,43. 1328,43 newtons. Maintenant, je vais aller chercher la composante en Y. En Y, ben, on a F1 de, on a moins F1 de Y plus F2 moins F3 plus F4 de Y. Plus F4 de Y. Voilà, et ça, c'est la composante. Autant on avait la composante R de X ici, maintenant je vais avoir la composante R de Y. F1 de Y, bon, c'était 3000. Bon, c'était combien? 3, 2, 4, 4. 3, 2, 4, 4. 3, 2, 4, 4. Alors là, il y a un cosinus de 45. Le F de Y, il est positif. 4000. Il est négatif, c'est F3, dans le sens contraire de l'axe. Plus 2000, il est positif. Et 3000, il est négatif en Y avec un cosinus de 60. Ben, on va calculer ceci. On va trouver la résultante en Y. Donc, moins 3000 cosinus 60. Plus 2000 moins 4000 plus 4000 cosinus 45. Bon, j'ai fait complètement une erreur. Moins 3000 fois cosinus 60. Plus 4000 plus 4000 fois, ah, je sais pas pourquoi je mets des cosinus alors que c'est des sinus. Je ne sais pas pourquoi je peux pas avoir de cosinus parce que c'est une projection sur Y. C'est des sinus, pas des cosinus. Ni l'un ni l'autre, c'est n'est bon. C'est des sinus. Bon, je recommence tout ça. Moins 3000 fois sinus de 60 plus 2000 moins 4000 plus 4000 fois le sinus, où se trouve-t-il? Voilà, il est là. 45, voilà. Moins 1760, moins 1769, virgule. Alors, 106, 64, 90, 87. Alors, je vais prendre 65. Et voilà. On a, grâce à ça, des informations qui nous donnent, qui vont nous informer sur la résultante. Elles vont nous informer sur l'intensité de la résultante, mais pas sur la position. Alors, on va aller rechercher ces valeurs, deux valeurs intéressantes.
Alors, grâce à ça, on peut trouver la résultante. Puisque la résultante n'est rien d'autre que RxI plus RyJ. C'est-à-dire 1328,43i plus moins 1769,65j. Et tout ça en newton. Alors, le module. Le module, je peux le trouver en faisant la racine carrée de 1328,43 au carré plus 1769. Je retire le moins parce que moins au carré, ça fait plus. 1,65 au carré. Voilà, égal. Je vais rechercher ça. Je vais mettre ceci au carré. Plus 1328,43 carré. Racine carrée. 2212. Virgule 77, 74, tralali, tralala. 2212, 77, 74, 75, je vais mettre 78 newtons, bien sûr. Alors, la tangente, pour avoir l'angle avec l'axe des x, il suffit de faire y divisé par rx. Et donc, moi, je vais aller chercher directement l'arc tangente. Si je vais rechercher l'arc tangente, je vais diviser ry. Il vaut moins 1769,65 sur 1328,43. Bien sûr, c'est l'arc tangente, hein. C'est l'arc tangente de ceci. Alors, moins 1769,65 divisé par 1328,43. Alors, moins 53, 10, 54, 0, 0, 3. Je vais mettre moins 53, 11. Moins 53,11. Alors, avec ça, on connaît tout. Alors, bien sûr, ici, moi, ce que j'ai fait sur GeoGebra, tout était fait dans le sens où petit instant, je vais juste enlever les informations qui ne sont pas utiles. Bon, je vais juste laisser une droite support. Bon, je peux l'enlever, c'est pas un problème. Voilà, comme ça, on a tout ici. Donc, j'ai pris l'échelle des longueurs, un mètre vaut 1 cm. Et l'échelle des forces est 1000 newtons égale à 1 cm. Voilà. Donc je place F1, je place F2, je place F3 et je place F4. Ayant fait ceci, bon, je vais chercher la somme.
qui est, dans un petit instant, voici, la somme est là. Normalement, mais le problème, elle n'est pas bien positionnée, parce que là, il est positionné à l'origine. Alors, la valeur, on vient de la trouver. On vient de trouver les valeurs. Les voici. Et vous voyez que l'angle fait 53, moins 53.11. Moins 53.11. Et les composantes, elles sont là. Donc, divisé par 1000, ça fait 1,3 et moins 1,7. Et c'est bien ce qu'il y a là. Donc, 1,33 et moins 1,77 pour F1, F2, F1 plus F2 plus F3. Fois 1000, parce que l'échelle des forces est fois 1000. Hein, parce que 1000 newtons vaut 1 cm. C'est 1,33 cm, ce qui fait 1330 newtons, ce qui a été trouvé. Donc, c'est bon. Et l'angle, vous voyez bien qu'il fait moins 53,11. Moins 53,11. Bon, ici, il a mis 53,11, mais c'est moins 53,11. J'ai mal fait l'orientation, mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est moins 53,11. Et donc, vous voyez, on a la résultante. Donc, pour le système de force ici, bah, on connaît l'intensité du système. L'intensité du système, elle est connue. Donc, c'est un vecteur qui fait comme ceci, qui est voilà, positif en X et négatif en Y. Ah, il est positif. Et qui donne un angle de 53,11 comme ceci. Et ben, maintenant, il faut chercher la localisation de ça. Pour chercher la localisation, ben, il faut chercher l'équilibre en rotation. La somme des moments des forces égale à 0. Alors, on aura la somme des moments par rapport à un point. Alors, je vais considérer que pour avoir facile, je prends un point arbitraire, quel point l'origine ici, point O. Alors, comme ça, il va annuler en même temps F1, c'est bien. Voilà. Somme des moments des forces par rapport au point O dFi, pour i égale à 1 jusque n égale 4. Voilà, plus le moment par rapport au point O de la résultante. Et je vais essayer de faire en sorte que ce soit égal à 0 pour avoir un équilibre de rotation et trouver la position voilà, de la résultante où elle se trouve. Alors, on a combien de forces? Eh bien, bon, tout d'abord, ici, je voulais savoir que valait l'angle. Oui, moins 53,11, on l'a. Voilà, donc on a toutes les informations sur la résultante. On sait la représenter, mais en n'importe quel point, parce que le problème, c'est qu'il faut rechercher le point exact. Point exact. Alors, je vais chercher la somme des moments de force. Alors, par rapport à F1, ben F1, ça fait 0. Le moment de F1, par rapport au point O, il vaut 0. Pourquoi? Parce que ben, la force passe en O. Alors, pour celle-ci, il faut aller chercher la distance que voici. Alors, je vais considérer que le sens positif, il va dans ce sens-là, hein, des moments. Et de l'autre côté, c'est le sens négatif. Donc, celui-ci, par rapport au point O, il fait tourner dans le sens positif. O est un pivot. Un pivot. Un point pivot, si vous voulez, de rotation. Donc, il a tendance à le faire tourner vers le sens positif. Alors, le bras de levier, ici, on sait bien ce que ça vaut, puisque c'est 2 mètres. C'est 2 mètres fois la valeur, la norme de F2. Donc, plus le moment par rapport à F2, par rapport au point E, qui lui est égal à, je ne sais plus combien il valait la valeur, F2 c'est 2000 newtons, fois 2 mètres. Mais il fait tourner dans le sens, on a dit, dans le sens positif. Donc, c'est un plus 2000 fois 2 mètres. Plus le moment par rapport au de F3. Alors, celui-là, il fait tourner dans le sens négatif. Et la distance fait 4 mètres. Il a tendance à le faire tourner dans le sens négatif. Donc, c'est 4 mètres fois le module de F3. F3 vaut 4000 newtons.
Donc c'est égal à plus 4000 fois 4 mètres. Plus 1 par rapport à F4. Moment par rapport à F4, il faut aller chercher la distance perpendiculaire que voici. Alors là, j'ai un triangle O, ça c'est le point O. O. P. Q. Avec un angle droit ici. Donc, ce que je recherche, bon, la distance, je l'ai, hein. La distance OP égale 5 mètres. Or, c'est un hypoténuse parce qu'il est à l'opposé du triangle, de l'angle droit. Donc, c'est une hypoténuse. OP est l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse. Mais ce que je recherche, c'est OQ, qui est le bras de levier. Le bras de levier est égal à OQ. OQ, c'est le côté opposé. OQ, non, c'est le côté adjacent. Alors, je vais vous montrer quel angle. Alors, là, on a 45 degrés parce qu'ici, on a 45. On a deux angles opposés par leur sommet. Là, on a 90 degrés et 45 degrés ici. Ce qui veut dire qu'on a un triangle ici. Là, on a 45 degrés aussi. Parce que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc le dernier il vaut 45. 45 plus 45, ça fait 90. Donc, 45 plus 45, ça fait 90. Voilà. Donc ce qui veut dire que le côté opposé à l'angle ici 45 θ, que je vais appeler θ, ou alpha, on a OQ qui est le côté adjacent. OQ, c'est le côté adjacent et OP c'est l'hypoténuse. Donc on a OQ, OQ sur OP qui est égal au cosinus de 45. Donc ce qui veut dire que OQ, qui est le bras de levier que je recherche, bras de levier, c'est OP fois sinus 45. Cosinus, je m'excuse. Cosinus 45. Et OP vaut 5. 5 fois cosinus 45. Bon, maintenant, bien sûr, c'est la force fois le bras de levier. Hein. Or, la force, c'est F4. Vaut 4 newtons. Et ça va tourner dans le sens positif. Donc, c'est positif. Plus le moment par rapport au point O de la résultante. Je vais le chercher. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Donc, moment par rapport à F1, il vaut 0. Par rapport au point O. Moment par rapport à F2, il vaut 4000. Donc, 0 plus 4000, ben, ça fait 4000. Hein. Le moment par rapport à F3, c'est plus 4, ça fait 6000. Non, celui-ci, il tournait dans le sens négatif là. Le F3 il tourne dans le sens négatif. Donc c'est moins 6000. Donc ici, c'est pas un plus, c'est un moins. Il fait tourner dans le sens négatif. Donc on aura 2000 moins 6000 plus 4000 fois 5 fois cosinus 45
plus le moment par rapport à O de la résultante égale à 0. Bon, je vais déjà faire ce calcul-là, des valeurs qui sont représentées ici. Donc, calculons. Fois 2 moins 16 000 plus 4 000 fois 5 fois cosinus 45, 2142, 2142,1356,24, je vais mettre 14. Voilà, newton mètre, hein. Tout ça c'est en newton fois des mètres. Alors, le moment par rapport à la résultante, ben, c'est la résultante, fois, bien sûr, en module, le bras de levier. Et ça doit être égal à 0. Alors, la résultante, on la connaît, parce que je viens de la calculer à l'instant. Le module, il fait 2212,78. 2212,78. Deux mille deux cent douze, 78. Voilà. Maintenant, il faut rechercher ce bras de levier. Alors, on va réfléchir un tout petit peu ici, qu'est-ce qui va se passer. Pour qu'on ait 0, il faut qu'on ait 2212,78 fois le bras de levier doit être égal à moins 2142,14. Donc, le produit que vous voyez là doit être négatif. Le produit que vous voyez doit être négatif. Ça veut dire que le bras de levier, ici, le bras de levier, c'est une distance, elle est positive. Voilà. Ceci, c'est positif. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on doit mettre un moins. Ça veut dire qu'il va tourner dans le sens négatif. Donc, on sait déjà qu'il va être à droite. Il va être à droite. À distance. Parce que, voilà, on sait bien que la résultante fait ça. Si je le mets à gauche, ici le bras de levier, il va faire tourner dans le sens négatif. Si je le mets à droite, il va faire tourner dans le sens positif. Or, on sait bien qu'il doit donner une valeur négative. Il doit donner une valeur négative ici. Donc, ça veut dire que le bras de levier est à droite. Donc, c'est une distance positive et pas une distance négative. Il sera à droite de 0. Voilà. Bon, maintenant il faut calculer ça. Hein. On va déjà que vaut BL. Bon, c'est pas BL qu'on recherche, hein, c'est pas le bras de levier, c'est la distance. Bon. On regarde à partir de là. Bon, ça veut dire que on connaît le vecteur. Je vais refaire un nouveau dessin. Et enlever ce qui m'intéresse pas. Bon, on s'intéresse à quoi ici? On s'intéresse à la résultante. Je viens de vous dire ici, d'après les calculs, ben, qui sera pas à gauche de l'origine. Alors je rappelle, l'origine est ici. Mais plutôt à droite. Alors, la résultante, supposons que ce soit ceci. La résultante, elle est là. Alors, je vais mettre une droite support à cette résultante. Je vais la mettre à côté pour pas effacer la résultante. Là, ça c'est un axe. C'est la droite. C'est un axe qui est support de la résultante. Voilà, R. La résultante, bien sûr, c'est R. Sachant qu'on a un angle ici de 40, je sais plus combien. 53, moins 53, 11. Moins 53,11 pour l'angle ici. Et bien sûr,
on calcule par rapport au point O. Donc le bras de levier, il est ici. Le bras de levier est ici. Voilà. Et on cherche la position ici, X. On ne sait pas où il est. On sait bien qu'il sera à droite, hein, parce que je viens de vous dire qu'il voilà, il est négatif pour le faire tourner dans le sens négatif. Connaissant le vecteur, on sait bien qu'il va tourner dans le sens négatif du fait qu'il soit à droite. Bon, là, je vais appeler ça X. Le X. Ça, c'est le X. Mais là, on a 53,11. Puisque là, on a moins 53,11. Là, on a 53,11. Donc, j'ai un triangle ici qui est O. U, V. Et V, bon, c'est l'endroit X, là où il y a la résultante. Voilà. Donc, le bras de levier, on le connaît. Pourquoi? Parce que le bras de levier, je sais le calculer. Il vaut ceci. En distance, bien sûr, positive, parce que c'est une distance. Voilà. Je vais faire le calcul donc de BL. BL, il vaut 2142,14 divisé par, en valeur absolue bien sûr, 2212,78. Je peux trouver BL. Ah, 0,96, 80, 76, 356, ce qui fait, on va mettre 0,97. Je vais mettre 0,97. Ah, 0,97. Donc, on connaît BL. BL est connu. Je connais un angle dont je peux trouver X dans le triangle OUV. Le triangle OUV. O, U, V. Dans ce triangle, je sais trouver le X. Puisque le X, c'est l'angle droit, il est là. L'angle droit, il est là. Donc le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est X. X sur BL étant le côté opposé à l'angle ici, qui est de 53,11. Donc BL sur X, c'est le côté opposé, c'est sinus de 53,11. Donc, ce qui veut dire que l'opposé, donc BL sur sinus 53,11, c'est-à-dire 0,97 divisé par sinus 53,11 va donner le X. Alors, 1,21. 1,21 cm. 1,21 cm. Donc je reviens sur GeoGebra. Je dois passer ma résultante à 1,21. Donc ce point-là, 1,21, se trouve 1,21,0. 1,21,0. Voilà, c'est le point ici. Et maintenant, je vais mettre le vecteur J sur ça. Alors, je vais reprendre un vecteur équipollent, un représentant de ce vecteur-ci ici.
Voilà. Le S', je vais faire une symétrie. Symétrie centrale de ce point-là avec ce point-là. Et là, je vais créer le vecteur. Je sais pas ce qu'il est. Il est là. Vecteur de là. Voilà. Et donc, U1, j'en ai pas besoin. Le J, j'en ai pas besoin. Bon, c'est pas ça. Le S', je ne peux pas l'afficher. Le J, ne pas afficher l'objet. Voilà. Et bien sûr, je renommais. Ça, c'est la résultante. Ça, c'est le vecteur résultant. Voilà. Et donc, les moments, je les ai calculés, les moments. Je sais pas ce qu'ils sont. Voilà, ça, c'est distance. La norme. Alors, où est-ce que j'ai calculé les moments? Voilà, c'est ça. Là, j'ai une droite. Je vais chercher la distance EP fois F4. Voilà, 4,14. La distance EF fois F2, moins la distance EG fois F3, c'est les moments. Voilà, je fais le calcul des moments, GQ. Fois 1000 bien sûr, hein, parce que bon, il y a une échelle de 1000. Donc, et ça donne V plus N plus O, va donner tout simplement là ce qu'il y a en accolade, hein, c'est-à-dire 2142,14. Voilà, 2142,14, bien sûr, ici c'est divisé par 1000, ça fait 2,14, mais au centième. Voilà. Et ça, normalement, pour avoir l'équilibre, ben, la résultante doit valoir moins 2,14. Alors, pour voir si ça fait moins 2,14, bien sûr, déjà, il fait moins, parce qu'il va tourner dans le sens négatif. Donc, le moins, on l'a déjà. On l'a déjà le moins. Il va tourner par rapport à O. Ici, dans ce cas-ci, c'est E. Parce que mon origine ici, c'est E et pas O. Voilà. C'est l'origine du repère ici. Mais il doit faire moins de 14. Il tourne dans le sens négatif. Il a tendance. Maintenant, c'est d'aller chercher une droite qui va relier. La droite, est-ce qu'elle est la droite? Petit instant. Voilà, la droite, elle est là. La droite support de ce vecteur résultant, le voici. Chercher la distance. Distance
de l'origine E à cette droite qui est, comment il l'appelait? H1, H1, 10, 1. Bon, les indices, où ce qu'ils sont? Exposant. Il n'est pas là, l'indice, il est là. Voilà, 0,97. C'est bien ce que j'ai trouvé, hein. 0,97 ici. Vous voyez bien qu'un 0,97, s'il est là, c'est bien. C'est la distance du point à la droite, 0,97. Maintenant, je vais multiplier par la norme de la résultante. Et on doit trouver moins de 14 sur GeoGebra, parce que c'est au millième près. Donc, B indice 1 fois la norme de la résultante. Donc, je vais chercher la norme de la résultante. Complètement raté mon coup. Passer. Voilà, 2,21 fois B1, c'est indice 1 fois B indice 1, voilà, 2,14. Donc tout est bon. Bien sûr, là il le donne positif, mais on sait bien qu'il tourne, va tourner dans le sens, par convention, va tourner dans le sens négatif. Donc la distance était bien 2, je sais plus combien. 2,1, je crois. La distance était 1,21. Il est positionné en 1,21. 1,121 cm. Et donc, vous voyez, les forces qui s'appliquent à la poutre donnant une résultante donnée est située pour avoir l'équilibre en rotation en un point bien précis. Et donc, c'était ça la question qui posait ici. Donc, qui déterminer l'intensité, la position du système de force suivant, essaie de chercher tout simplement la résultante, la valeur de la résultante par rapport à toutes ces forces, et où cette résultante va permettre l'équilibre en rotation. En rotation. Puisqu'on a un équilibre de rotation ici. Ouais, donc grâce à l'équilibre de rotation, on peut trouver cette fameuse distance, grâce au moment des forces. Alors sachez que ici, bien sûr, la poutre ne tourne pas parce qu'elle est en équilibre de rotation, mais elle n'est pas en équilibre de translation parce que voilà, la poutre, ici, les forces ne sont, la résultante est différente de zéro. Je vous remercie.